Durant la visite, Xi Jinping s'est entretenu avec Kim Jong-un au Grand Palais du Peuple à Beijing. Le président chinois et sa femme Peng Liyuan ont organisé un banquet d'accueil pour Kim Jong-un et sa femme Zhe Solju et ils ont regardé ensemble une performance artistique. Li Keqiang, premier ministre chinois et membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, Wang Huning, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC et membre du secrétariat du comité central du PCC, et Wang Qishan, vice-président chinois, ont participé aux activités connexes. Durant les discussions, Xi Jinping a souhaité la bienvenue au nom du comité central du PCC à Kim Jong-un pour sa première visite en Chine. Xi Jinping a déclaré qu'il avait apprécié que Kim Jong-un lui envoie un message de félicitations après le 19e congrès national du PCC et sa réélection comme secrétaire général du comité central du PCC et président de la commission militaire centrale du PCC. Xi Jinping a également été reconnaissant envers Kim Jong-un pour l'avoir félicité à nouveau immédiatement après qu'il a été réélu président de la Chine et président de la commission militaire centrale du pays. Xi Jinping a déclaré que la visite de Kim Jong-un en Chine, laquelle est intervenue à une période spéciale, représentait la grande importance que le camarade président et le comité central du Parti du Travail de Corée attachaient aux relations entre les deux pays et les deux partis.